popping corny corporate sales, be counting jeans. I'm singing. Yeah. What's up? Aileen and Wonderland. Ça commence. Yeah. You got it right. Along with the new brand, slipping the scene with Aileen. What's your first question? Quelle est ta première question? Comment ça va? Je suis tombé dans le camion pour venir ici à Garo Rock. J'ai fait 4 heures de route. Oh, désolé pour ça. Donc je ne suis pas de si bonne humeur que ça. Mais on vient de me servir mon thé, donc je pense que ça va aller mieux. Bon bah c'est mon premier coup de cœur à Garo Rock. Oui, mais ça a l'air étonnant comme ça, mais oui, pour de vrai. Ce sont des marionnettes qui ont commencé en 96 dans la scène hip-hop gangsta. Puppet Mastaz, dans le circuit donc depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. J'ai avec moi les deux protagonistes, c'est-à-dire Mr. Malok. Hello, how are you? Very nice. Shake your hand, yeah, shake it, baby. And Rhino, the rhinoceros. Yeah, what's up, Rhino? Hello, Rhino. With Aileen in Wonderland. Yeah, this is Aileen in Wonderland. Entre humains et poupées, marionnettes, on va un peu découvrir qui sont les Puppet Mastaz. Je peux vous dire qu'ils sortent un nouvel album intitulé Revolve and Step Up, disponible depuis le mois de mars. So guys, alors les gars, quand je vois vos nez là, vos gros nez, vos mains, je sens qu'il y a quelque chose d'humain. C'est vrai, il y a quelque chose, on a grandi auprès des humains, mais on reste des animaux. Des vrais animaux. On garde notre animalité. Monsieur Malok, quel animal es-tu? Moi, je suis un coyote. Ok. Bon, Rhino, toi, je sais que je te reconnais. Ouais, tu sais qui je suis, bébé. On est des animaux à mémoire très courte. Ce qui est vraiment bien, parce qu'à chaque fois que je me réveille dans mon appartement, je me dis, mais c'est super sympa ici. Ou encore, waouh, mais mon frigo est plein. Waouh, mais qui est cette fille, cette bombe? Tu vois, je suis en perpétuel émerveillement, en fait. Et tous les matins, tu te réveilles comme ça? Oui, bien sûr. Et là, je me regarde dans la glace et je me dis, waouh, Mr. Murloc, comment ça va? Tu vois ce que je veux dire? On reste frais dans notre animalité. Je vois. Et vous venez de Berlin. Mais dans le groupe, toutes les Puppet Mastaz ne viennent pas de Berlin. Vous êtes basé à Berlin. Mais d'où viennent les autres poupées? D'où viennent les autres puppets? Which land? Vas-y, Rhino, explique-lui, toi. Ouais, je suis comme ce mec dans Limitless, en fait. Je me nourris des gens et j'apprends un tas de trucs tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc je suis venu à Berlin, j'ai rencontré Merloc. On a fait la traversée New York-Berlin ensemble. Et du coup, on a gagné une journée de voyage par rapport à elle. Quelle est la réaction du public la plupart du temps, parce que vous avez tourné beaucoup et partout? On ne vend pas tant d'albums que ça, mais nos concerts live sont vraiment incroyables. Et toujours complet? Ouais, c'est toujours complet, il y a beaucoup de monde. Mais je pense que si on se cantonnait à un style de musique, on vendrait beaucoup plus de disques. Puppet Mastaz, il y a eu un break entre vous, you guys, and ça a duré 3 ans. Après, vous vous êtes réconciliés. Mais qu'est-ce que vous avez fait pendant ces années? Et pourquoi vous avez cassé? Je crois qu'il y a eu comme une sorte d'explosion d'ego. Comme les humains, vous avez des problèmes d'ego? Ouais, tout à fait, ouais. Tu sais, quand tu vis aussi longtemps aux côtés des humains, tu finis par avoir les mêmes comportements. Monsieur Malok, tu as un gros ego, non? Ouais, il est même plus gros que ce festival. Really? Ouais, encore plus gros. Parfois, t'as besoin de partir loin pour savoir qui tu es.
Et est-ce que tu as mis quelques influences de ce voyage dans cet album ? Ouais, il parle vraiment de passer à l'étape supérieure. C'est exactement ce que veut dire « revolve and step up ». Tu tournes autour des problèmes psychologiques, tu cherches des solutions et d'autres perspectives, et finalement tu arrives à les dissoudre, et tu passes au niveau supérieur. Ok, c'est une bonne philosophie, pas vrai ? Pour nous prouver que vous vous êtes réunifiés, que vous êtes redevenus de vrais potes, est-ce que vous pouvez vous faire un hug ? Can you hug each other ? Tu veux que je te fasse un câlin à toi ? Pour me montrer ? Non, je veux que vous vous fassiez un hug. Mais c'est à toi que je veux faire un câlin, moi. Non, mais tu peux pas me prendre, tu peux pas me faire un hug. Ah, ça, c'est bien. Wonderful. Thank you guys. Merci les gars. J'aimerais bien voir un petit freestyle entre vous là. Peut-être un extrait de ce que vous allez faire ce soir sur la scène de Garou Rock. Yeah, right. Aline in Wonderland, breaking it down with the baby. New style, man. Got that shit, the vinyl, yeah, I know what you wanna get down, get with the silo. Ha, I'm ain't the philo, man, I'm breaking it down like Jalo. Well, you want some Jello on that soup, I'll spit it up and bring it down with the hoop. I'm bouncing around your town, getting metaphysical in your brain, a physical. Yeah, I'm inventing all this shit like Puppet Masters did it, done it, rocked it, love it. That's right, I know you laughing because cause I'm making it rubber dubber. Yeah, PM crew for real. Merci, à tout à l'heure pour le show. Bravo, à tout à l'heure sur la scène. Bye bye. Bye bye. Salut Rhino.